Quatrième figurine pour cette émission. On parle cette fois d'une figurine récente. Il s'agit de Batwoman chez Kotobukiya, toujours personnage de DC Comics. Alors, c'est un personnage finalement assez simple quand on la voit comme ça, avec un socle rouge du plus simple appareil. Dessus, il y a écrit Batwoman, tout simplement, mais rien d'autre. Finalement, ça passe très bien. C'est le seul regret qu'on pourrait avoir sur cette figurine. C'est un socle finalement assez simple. Mais voilà, j'en fais pas d'état, à part que c'est simple. Voilà, c'est comme ça, puis ça me déplaît pas. On retrouve la tenue rouge et noire du personnage, la chevelure rouge, le masque, et une pose assez intéressante, puisque bien que statique, elle se penche un peu sur le côté. Et du coup, on peut la présenter de différentes manières. Alors voici, si je la mets vraiment droite, comme le voudrait le socle, ça donnerait ça. Donc elle part un peu sur le côté. Je sais que j'aime bien la pencher un petit peu plus comme ça, pour mettre le visage de face, qui crée un peu une courbure au niveau du corps. Sinon, on peut décider de la mettre au contraire plus comme ça, pour voir l'avant du personnage, et par contre le visage part sur le côté. Donc il y a différents moyens de l'exposer celle-ci, avec un stratagème assez simple, finalement, avec le regard qui part pas du même... de la même direction que le reste du corps, du moins cible, l'avant du corps, mais pas les jambes. La cape est rigide, il y a un bel effet. Regardez, si je marche, si je vais à l'arrière, nous avons l'extérieur de la cape et l'intérieur qui ressort de l'autre côté. Donc c'est vraiment intéressant, avec toujours le contraste très marqué entre ce rouge très intense, un rouge intense et à la fois sombre, et le noir. Donc voilà pour la cape. Les cheveux. Les cheveux, avec beaucoup de détails sur ses cheveux, une longue chevelure qui part, voilà, on sent bien l'effet du vent sur ses cheveux. Le visage, lui aussi, également réussi. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de défaut sur cette figurine, elle est vraiment parfaite. Et petit bonus qu'on va voir tout de suite, c'est que si vous voulez pas du masque et des cheveux longs, on enlève. Toc, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas de casse. À une main, c'est pas très facile. Voilà, et parce qu'on va pas la laisser en cavalier sans tête quand même, on n'est pas dans Sleepy Hollow, on va rajouter la deuxième tête. Et voilà, vous avez en prime une deuxième figurine avec les cheveux courts et le visage sans masque du personnage. Que si vous avez lu les Batwoman chez Urban Comics, vous avez vu également. Donc le personnage correspond bien au personnage des comics. Et également, on peut tourner dans plusieurs angles pour avoir plusieurs moyens de l'exposer. Donc voilà, c'est vraiment parfait. On voit la différence de travail entre les premières figurines, en tout cas les figurines plus récentes, puisque jusque-là, toutes celles que je vous ai montrées étaient beaucoup plus récentes, et des figurines datant de moins d'un an, comme celle-ci. Donc ça, c'est Batwoman chez Kotobukiya dans la collection DC Bishujo. Donc voilà, un dernier aperçu. On va essayer d'obtenir un visage sans le flou, si possible. Ça prend un peu de temps. Et voilà. Donc comme d'habitude, c'est 50 euros. C'est partout sur Internet ou parfois dans les boutiques comics. Salut!